je montais des sièges là, j'en ai monté un tout à l'heure. Et ben, je vais continuer. Alors, par contre, je vais prendre ça. Parce que comme les plumes de flanc de canard, de flanc de canne, et ont tendance à s'arbiquer, alors je vais les mettre un peu de colle. Je vais les lisser avec la colle battant. Une première. Tendance à tourner sur le côté. Voilà. Et je vais bien serrer. Peu l'arrière à couper. Et je vais procéder de la même façon pour l'autre, pour la deuxième plume. J'enlève le rachis. Oh, j'ai le qui colle donc. Devant et derrière, et je vais bien lisser comme ça. Deuxième plume. Ensuite, je coupe l'excédent avec des fibres qui se sont échappées. La troisième plume, pareil. J'enlève le rachis. Un petit coup de colle bâton dessus. Je coupe l'excédent de fil. Ensuite, je vais prendre une plume de coup de coque. Je prends autre chose pour nettoyer les doigts. Je suis tout serré, mieux. J'ai pris du bon champ en papier, mais c'est pas bien. Bon. Je vais prendre une plume de coup de coque pour faire le hack devant.
Ensuite, eh ben, la pince à acte. Où est-ce que j'ai mis cette pince à acte? Je la cherche. Je la mets, il fait quoi? Allez, je suis là. T'es sous le coup de coque. Allez. Je vais la tourner. En ramenant en arrière les fibres. Je vais cloquer. Couper l'excès dans le vide. Et le nœud final, oui, de finish. La queue, je vais tailler avec le point du ciseau qui sont comme ça d'arrondi. Voilà, j'ai un beau petit sèche. On va mettre un peu un autre vernis parce que là. J'ai du vernis plus du GMC et plus je vais mettre un petit peu. J'aurais dû le mettre sur l'aiguille, ça aurait été mieux parce que là il est un peu collant. Je vais vous montrer qu'il va prendre des chevelles. Si la caméra voit bien. Voilà, je vais couper. Il va rejoindre l'autre. Je vais en faire plusieurs.